Le prince George était confus et en colère en ramassant les déchets, reflétant la même passion pour l'environnement que son père. George et la princesse Charlotte fréquentent l'école privée Thomas de Battersea. S'adressant à un podcast de la BBC, son père, le prince William, a révélé qu'un choix de litière avait laissé George frustré par l'état de la planète. Le duc de Cambridge a déclaré, ainsi, George à l'école a récemment ramassé des déchets et je ne m'en étais pas rendu compte, mais en lui parlant l'autre jour, il montrait déjà qu'il devenait un peu confus et un peu ennuyé par le fait qu'ils sont sortis ramasser des déchets un jour, puis le lendemain, ils ont fait le même parcours. Et je pense que pour lui, il essayait de comprendre comment et d'où tout cela venait. Il ne pouvait pas comprendre, il s'est dit, « Eh bien, nous avons nettoyé ça. Pourquoi n'a-t-il pas disparu ?» William a été extrêmement vocal sur l'environnementalisme et le changement climatique au cours de la dernière année. Le duc de Cambridge s'est exprimé lors du sommet 26 pesos colombiens à Glasgow en novembre dernier. L'année dernière, il a également lancé le prix Earthshot décerné à 5 lauréats pour leur contribution à l'environnementalisme. Cependant, William a précédemment déclaré qu'il craignait que la génération de George ne parle encore du changement climatique dans les décennies à venir. Il a déclaré, mais cela ne devrait pas être qu'il y a une troisième génération qui doit maintenant accélérer encore plus. Et vous savez, pour moi, ce serait un désastre absolu si George était assis ici en train de parler à vous ou à votre successeur. Vous savez, dans environ 30 ans, peu importe, en disant toujours la même chose, car d'ici là, nous serons trop tard. George, l'aîné des enfants de Cambridge, est actuellement en quatrième année à Saint-Thomas. On pense que le frère cadet de George et Charlotte, Louis, les rejoindra à l'école en septembre.